Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de We The Revolution. Donc nous sommes au jour 2 de l'acte 1, d'ailleurs c'est écrit en haut à droite. Aujourd'hui le peuple de Paris se rassemble en mémoire du maire d'Étampes, Jacques-Guillaume Simoneau. Une foule furieuse l'a lynché alors qu'il ne faisait que son devoir envers la France. Cette marche vise à symboliser l'unité de notre société et l'espoir que la phase la plus violente de la révolution est désormais derrière nous. Faisons en sorte que plus aucun loyal serviteur du pays ne doive perdre la vie à cause d'une telle haine. Roi Louis XVI. D'accord. L'officier Simoneau était bon et loyal. Ces salauds l'ont lâché alors qu'il ne faisait que respecter la loi. Viendras-tu à la marche de soutien avec moi? Putain, non. Non, juste non. Je ne suis plus intéressé par le vivant, même si je conçois que Simoneau a souffert une mort atroce. Je me demande bien pourquoi le roi a pris la peine de se montrer. Louis XVI défilant aux côtés des Parisiens, c'est assez inattendu. Soit. Le roi Louis. Veuillez continuer. Donc c'est Louis Capet. Oh. C'est Louis Croivet-Bâton. Veuillez continuer, je ne suis qu'un simple observateur, faites comme si je n'étais pas là. J'ai entendu parler d'un juge du tribunal jeune et ambitieux, j'étais curieux de savoir si ses décisions étaient dictées par un sentiment de justice ou bien... dans le seul but de se divertir, comme diraient certains. Et mon petit Louis, on va voir ça. Écoute, gens du peuple plus sain, bonne relation avec votre père. Réputation plus 1, bonne relation donc avec votre épouse. D'accord, donc on a gagné, ok, on a gagné un peu de réputation parce qu'on s'est mis bien avec tout le monde. Alors là, il y a choix du peuple et choix des révolutionnaires, très bien. C'est parti, nouvelles informations. Ragots du voisinage. La plupart des Parisiens sont ordinaires. Ils ont des problèmes ordinaires, les consciences ordinaires et une résistance à la douleur ordinaire. Ils n'ont pas été endurcis par la révolution. Le père de famille qui a lancé la rumeur de vos péchés mignons ne fait pas exception à la règle. Quelques coups de poing ont suffi à raviver son instinct de survie et à le convaincre qu'il était temps pour lui de se taire. Réputation plus 1, soutien du peuple moins 2. Bon, c'est pas trop grave, on peut prendre une décision pour le peuple. Qui les remontera d'ailleurs. C'est quoi d'ailleurs les stats officielles? On les a là? Oh, on est bien avec le peuple. Vas-y, fais pas chier. Très bien. Carnet. Pour papa, c'est Bernard qui fait de la musique. Trop bien. GG mon fils. Troyambe, troyambe. Effet plus 1 plus 1. D'accord. Bonne relation avec votre père, bonne relation avec votre épouse. D'accord. Dans tous les cas, on bénéficie d'un bonus. D'accord, c'est cool. On est pas mal, on est pas mal. Oui, d'accord. Ok, donc le rapport. Le rapport, c'est toujours le protocole à suivre. Il n'y a pas de nouveau truc pour l'instant. Bon, on sait qu'il va y avoir un nouveau truc. À mon avis, probablement quand la guillotine sera terminée. Hiérarchie, de quoi on cause? J'ai l'impression qu'il y a du nouveau. Oula! Ah oui, il y a du nouveau. David, le peintre de cet artiste et homme politique font souvent référence à la Révolution. Politiquement parlant, c'est un député efficace de la Convention. Il s'inspire de ces deux domaines professionnels qu'il n'hésite pas à mélanger, comme la fois où il était chargé de fermer l'Académie française qu'il avait rejetée pendant si longtemps. C'est un ami de longue date du juge fidèle. D'accord, donc on est pote avec Jean-Louis David. Cool. Burel, le commandant vieillissant de la garde nationale. Il est assez... Oula, il a assez d'expérience, excusez-moi, pour ne pas faire confiance aux gens ordinaires, même s'ils sont capables de déclencher une révolution. Ok. Très bien. En gros, c'est un royaliste. Voilà. Dossier du procès compilé par Nathan Desiraf. L'accusé se nomme Olivier Mugler, un maître serrurier de 65 ans réputé auprès des cambrioleurs parisiens pour son expertise en matière de serrurerie inviolable. Le mois dernier, les propriétaires d'une verrerie parisienne, Jean Rude, Louis Roux et Ferdinand Salan,
lui confirent la fabrication de serrures conçues pour des coffres décorés, vraisemblablement en guise de présents, pour que leurs épouses puissent y déposer des objets de valeur. L'artisan a porté au nu sa dernière création, vantant qu'elle était à l'épreuve des vols. Peu après la fin de leur installation, les industriels furent victimes d'une série de cambriolages perpétrés par Hector Vian, arrivé récemment à Paris. Le voleur d'Orléans fut pris en flagrant délit et tué par balle par Ferdinand Salan. Est-ce qu'on peut pas... Ah, si, oh, d'accord, on peut faire comme ça, ok. Sur le corps de la victime, on retrouvera un précieux plan de Turgot de la ville de Paris, sur lequel figuraient les demeures des industriels ayant récemment fait l'objet de cambriolage. Étonnamment, Salan avait fait don d'un plan identique à Mugler à titre de paiement anticipé. Alors attends, on se remet les noms. Il y a un plan qui a été offert à Mugler. Donc, pris en flagrant délit, il est tué. Sur le corps de la victime, on retrouve un précieux plan de Turgot de la ville de Paris, sur lequel figuraient les demeures des industriels ayant récemment fait l'objet de cambriolage. Étonnamment, Salan avait fait don d'un plan identique à Mugler à titre de paiement anticipé. Cet acompte s'ajoutait à la rémunération convenue de la part des employeurs. Donc, c'est du bonus. Je te donne un plan de ma raffinerie en bonus. Quoi? Ça pue. C'est l'histoire nulle. La propriétaire de l'hôtel Ginger Margot nous a fourni d'autres informations intéressantes. Elle se souvient que le soir précédant le cambriolage, le serrurier y avait rencontré un homme qu'elle ne connaissait pas. Sa description correspond au suspensionné Hector Vian. Les deux hommes se livrèrent à une nuit de beuverie aux frais de Mugler. Pièce à conviction. Plan de Paris retrouvé sur Hector Vian. D'accord. Les questions. Alors. Pièce à conviction. Soirée de beuverie. Accusation? Non. Des indications sur le pièce à conviction. Évidemment. Soirée de beuverie, ce serait une accusation? Hein? Un déroulement des faits. Ah oui, bah oui, j'ai déjà fait. Oui, ce serait un déroulement des faits. Maître serrurier. Personnalité de la personne jugée. Oui, complètement. Fabrication de serrure. Déroulement des faits. Voleur célèbre. C'est ça, bizarre. Série de cambriolages, déroulement des faits. Donc c'est le dernier. On me goit deux fois, ça serait un déroulement des faits pour moi. Ok. Bah mettre surveiller ses faits. Circonstances atténuantes. Ok. J'ai tout trouvé, visiblement. Oui, parce que c'est également et sa personnalité, et effectivement, c'est une circonstance atténuante. Le rapport, toujours standard, c'est cool, on se prend pas la tête. Verdict, c'est cool, c'est toujours la même chose, on se prend pas la tête. Alors, deux types de personnes, ceux qui veulent le voir en tôle et ceux qui veulent le voir dehors. Idéalement, en gros, faudrait que je le mette en tôle pour équilibrer un peu la. Alors là, si je le colle en prison comme ça, on revient à l'équilibre. Mais bon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Dossier du procès, ok, on l'a sous les yeux. C'est parti, ma gueule. Voler les bourgeois n'est pas un crime. C'est pas faux. Si, c'est faux. Bon, c'est pas bien. Selon les informations qui apparaissent dans nos dossiers, tu es le citoyen Olivier Mugler. Est-ce vrai? C'est bien cela, monsieur le juge. Puis-je émettre une demande? Je souhaiterais m'asseoir, je ne suis plus tout jeune, et se tenir debout est un respect fondamental dans une cour de justice. Les noms Salan, Rude et Roux te sont-ils familiers? Pourquoi vouloir à tout prix persécuter un vieil homme? Ah, oh mais merde. On dirait les noms de mes débiteurs. Débiteurs, ils ont été victimes de tes activités? De mes activités de serrurier? Malastivi. Bref. Les victimes t'avaient confié la fabrication de serrures pour des coffres renforcés qui s'est chargé de leur installation.
Moi-même, naturellement, conformément au contrat. Ma mission était de concevoir et d'installer la serrure. L'employeur, quant à lui, devait simplement venir et vérifier que le travail avait bien été fait et me payer, bien entendu. As-tu procédé à l'installation des serrures dans ton atelier? Non, sur place, chez le client. Aucun de ces fainéants n'a daigné apporter ses coffres à mon atelier. J'ai dû forcer sur mes vieilles cannes. Cela signifie-t-il que tu connaissais l'adresse des victimes? Et comment m'y serais-je rendu sinon? Au hasard? À bord d'un chariot? Ah. Connaissais-tu Hector Vian avant cela? C'est la première fois que j'entends ce nom. Intéressant puisque l'on vous a vu vider ensemble plusieurs bouteilles de vin à l'hôtel Ginger Margot. Est-ce considéré comme un crime? Non, mais pourquoi prétends-tu le contraire? Cette beuverie n'était-elle qu'un prétexte pour préparer les cambriolages? Je n'ai bu aucun verre avec un dénommé Hector. Je n'ai jamais planifié de cambriolage avec un Hector, un Victor ou un Hugo. Je suis un serrurier qui gagne bien sa vie. Seuls les vagabonds sans emploi commettent ce genre d'accès. C'est pas tout à fait faux quelque part. Reconnais-tu ce plan? Non, je ne me souviens pas l'avoir déjà vu. Ferdinand Salan prétend qu'il te l'a offert à titre d'acompte pour tes services. Quoi? Ce misérable marchand de seconde zone? Il m'a donné ce bout de papier en guise de paiement pour la fabrication de 3 serrures et il affirme que cela vaut plus que les 3000 francs qu'il me doit. Un travailleur honnête fait l'objet d'une procédure judiciaire alors que des escrocs sont toujours dans la nature. Silence, ce plan t'appartient-il? Non. Où se trouve donc le plan que t'a donné le citoyen Salan? Je l'ai perdu, mais il ne valait même pas le prix d'une miche de pain. Je ne vais donc pas verser de larmes, mais si tu l'as entre tes mains, tu me l'as peut-être volé. Ah ouais. Tu ferais mieux de prendre note qu'Olivier Mugler exige une rémunération de la part de Rude Roux et Salan. Eh ben oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Pas payé le mec, pas payé! File un bout de papier, c'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est qu'on te paye pour un travail. Je veux dire. Voilà. Je veux dire, moi demain, je vais en grande surface faire mes courses. Je m'en tire avec 200 billets. Je leur file un rouleau de PQ sur lequel j'ai dessiné le plan d'une prison avec un coffre de pirates enterré dessous. Là où se trouvait anciennement un cimetière indien. À Madagascar. On va me dire, va te faire enculer. Voilà. Tout simplement. C'est-à-dire, donne-moi 200 euros. Fin d'histoire. Clairement. As-tu indiqué les adresses des 3 victimes sur ce plan? As-tu indiqué les adresses? Oui, je n'ai rien indiqué du tout. Les maisons de tes clients figurent sur le plan. Je ne sais pas qui les a marquées. Tu devrais peut-être interroger la personne qui détenait ce plan. Peut-être que le tribunal est responsable de ces indications et ne s'en rappelle pas. Ne trouves-tu pas que ton histoire regorge de coïncidences? Tu as reçu le plan, puis tu l'as perdu. Et enfin, on le retrouve sur le corps du voleur qui a cambriolé tes clients. Le terme coïncidence m'est étranger. Je fabrique des serrures. Comment as-tu... Combien as-tu demandé pour tes services? 3000 francs. C'est une belle somme. Si tu étais maître serrurier, tu demanderais tout autant. C'est une belle somme d'argent. En effet, c'est le prix à payer pour avoir des serrures de très bonne qualité réalisées par un maître totalisant presque 50 années d'expérience, et ces ordures ne m'ont jamais versé un seul franc. Les victimes ne t'ont pas payé la somme convenue. Pas un sou, et si je n'étais pas aussi vieux, j'irais récupérer cet argent à coups de sabot. Et c'est vrai, il est vrai que pour un mec à qui on accuse de monter une magouille pour voler hypothétiquement des valeurs dans des coffres, etc. Le type est quand même un vieux monsieur avec 50 ans de métier. Voilà, 3000 balles, 3000 francs à l'époque. Bon, même si tu payes ta baguette 1 franc, t'es à l'abri du besoin, quoi. T'es à l'abri du besoin. Donc, pourquoi aller faire un casse et s'attirer des emmerdes alors qu'on te doit 3000 francs que finalement t'as juste à les foutre devant un tribunal, puisqu'on va retrouver chez eux les coffres. Ça ne sert à rien de monter un coup comme ça. As-tu donné le plan à Hector Vian? Je n'ai rien donné ni à Achille, ni à Hector, ni à aucun autre grec. D'accord.
Faites entrer le témoin, le citoyen Jean Rude. Jean Rude lui-même. Ne peux-tu pas prendre la parole sans y être invité? Naturellement. Qu'est-ce qui t'a été dérobé au cours du cambriolage? J'ai été le premier à être cambriolé et on m'a principalement volé des objets de valeur. Chez Roux, il ne l'admettra pas lui-même, mais je ne veux pas aller en prison. Des lettres qu'il avait échangées ces dernières années avec le roi Louis ont disparu. Maudit monarchiste! Salan, quant à lui, n'a rien perdu. D'après ses déclarations, il a pris cette vermine en flagrant délit, puis l'a tuée par balle. Qu'est-il advenu des objets qu'il avait volés? On l'ignore. Selon Salan, Hector n'avait rien sur lui. Ferdinand le soupçonne d'avoir caché les autres objets de valeur ailleurs. Il aurait caché les autres biens avant de cambrioler la dernière maison? Étrange, on est bien d'accord. Sa disparition, le meurtre d'un cambrioleur et une rémunération non réglée. Non réglée. Semble inquiet. De quoi as-tu peur? Monsieur le juge, cette foule qui se tient derrière moi, vous, tu sais quoi. Je sais quoi. Je ne veux pas aller en prison et Salan a dit que si je racontais des absurdités devant le tribunal, je serais condamné à plusieurs années de prison. Est-ce vrai? Le citoyen Ferdinand Salan t'a-t-il donné des instructions concernant votre témoignage? Non, enfin, il m'a peut-être émis quelques suggestions sur la manière d'échapper à la prison si je raconte des balivernes. Je suis quelqu'un d'assez tendu, hein. Parfois, ce que je dis n'a aucun sens. Ah, imbécile, plus qu'un témoin. Un imbécile, plus qu'un témoin. Voilà à quoi ressemble notre bourgeoisie. On dit que tu es l'un des meilleurs serruriers de Paris. Je devrais le démentir par modestie, mais je ne le ferai pas. Pourtant, ce ne peut être vrai, puisqu'un vulgaire voleur d'Orléans est facilement parvenu à forcer tes serrures. Eh bien, ce devait être l'un des meilleurs voleurs d'Orléans. Soyons sérieux, monsieur le juge, il est possible de forcer toutes les serrures du monde, même les miennes, à condition d'avoir les compétences requises. As-tu révélé à Hector Vian le secret pour ouvrir? As-tu révélé donc ouais, Hectorian, le secret pour ouvrir les serrures des coffres des victimes? Je ne vois pas où tu veux en venir, mais dis-toi bien que s'il dévoilait le secret de mes serrures, je ferais faillite. Les combines se répandent à la vitesse de la lumière chez les voleurs. Eh oui. Eh oui. Tu n'as aucun intérêt en fait à mentir, donc clairement, mon verdict, monsieur, je sais que ça va pas plaire, mais tu es disculpé. Et je signe. Tu es disculpé, et s'il y a une suite à ce procès, je sais que Salan ira en prison. Le citoyen Olivier Mugler est déclaré non coupable. Amenez l'accusé. Félicitations, Mugler. Mort à la bourgeoisie. Pour être franc, ce verdict porte la marque de la justice sociale. Il ne voulait pas le payer, il les a donc volés. C'est équitable. Ouais, c'est même pas ça ma truc, mais bon. Truc, c'est qu'en fait il a aucune raison de voler qui que ce soit. Les gens du peuple plus 5, les révolutionnaires moins 6. Révolutionnaire, c'est pas la teuf. Bah oui, cassons-nous, hein. On a fini, hein. Regarde un plan authentique de Turgot. Ce serait dommage qu'il moisisse dans un coffre-fort. On ne peut pas faire ça. Ça appartient au tribunal. Mathilde me dit depuis longtemps de ranger mon bureau à la maison. Voilà qui est réglé. Je connais quelqu'un qui est capable d'effacer ces indications sans abîmer le plan. Je sais pas c'est quoi un plan de Turgot, mais visiblement, ça pue un peu la magouille. King Louis XVI. There were people who truly loved him. He reminded the French they had noble ancestors. Do not be manipulated by people who are not bearing the burden of responsibility. This saddened me. Someone had advised him to say that.
someone who is well aware of the cold, inevitable wind of change. I did not pity the king, but those who will come after him, as they will not have great ancestors. Ah, tes grands ancêtres, ma gueule, c'est tous des putains de consanguins. Calme-toi aussi, hein. Un des nôtres. Est-ce qu'une manifestation aussi solennelle changera quoi que ce soit? La prochaine fois, quand un malheureux décidera de lapider un fonctionnaire pour avoir respecté la loi, se rappellera-t-il qu'il a participé à cette marche? Est-ce qu'un affamé sera rassasié par le souvenir de Jacques Guillaume Simoneau, maire des Tempes? Je préférerais ne pas être là pour voir ça. Ah oui, d'accord, ok. Oui, j'ai pris une décision, ouais, je l'ai pris un peu à l'arrache. Mauvaise idée, parce que je me suis grave embrouillé avec les révolutionnaires. C'est quand même pas le bon deal. Le Jean-Louis David, ok. Ton fils a un don pour l'alto, il est parfois talentueux et enthousiaste. J'aurais préféré qu'il soit enthousiaste vis-à-vis des livres de droit que je lui donne. Il est peut-être fait pour devenir artiste et non avocat. Mère aime m'écouter jouer, il n'y a rien de plus ennuyant que le droit. Tu vois, il préférerait que sa carrière dépende de l'humeur des gens. Il existe plusieurs moyens de sauver la France, crois-moi. Notre pays a terriblement besoin d'être ennobli. Anobli, tu veux dire? Ennobli. Ok. Le pouvoir est entre les mains d'une bande de simplets et d'illettrés. Laissez-le sauver leur âme par le biais de la musique. C'est bien plus amusant que ces lois et clauses juridiques barbantes. Tu vois ce que tu fais? Tu corromps mon enfant. Je n'ai aucun enfant à corrompre, je me dirige donc vers les tiens. En parlant de cela. Oh non, non et non. Ok, grosse ambiance, ma gueule. Grosse merde, grosse. Alors, jouer avec les enfants. Bah, les enfants, ils seront contents. D'accord. Ma femme va faire la gueule. Lire en famille. Ma femme sera contente. Mon grand-fils, non. Concert alto. Ça fera chier un peu le daron. Enfin, plaisir à mon fils, ok. La balade nocturne. Ça fait juste chier papy. Papy, il est un peu haut. On peut se permettre de perdre un peu de temps avec... Ok, j'accepte. Et... Ah oui, papy, par contre, ça la vénère tout de suite, quoi. Ok, un peu. Ah oui, d'accord, beaucoup. Pas mal. Oh. Et d'accord, du coup, lui, il a une influence sur tout. Oh ouais, c'est important de garder son petit-fils dernier bien la pêche. Acte 1, liberté, jour 3, mais c'est là que nous nous arrêtons. That is our new symbol of freedom. You can still smell the fresh wood. Do you feel free looking at it? Individuals like us do not need symbols, but France does. Did you hear the news of the day? People are running around like headless chickens and yelling about Louis and his entourage escaping Paris. So, we will not be enjoying the aroma of fresh wood for long. Monuments like that are not installed solely for the purpose of punishing thieves or lesser aristocrats. Do you think it wants to taste royal blood? Louis's flight was a stupid move, yet it seems it was planned. One of us will sacrifice him. That is, if they catch him. Is that why Louis visited us at the court? To manipulate us? Maybe deep in his heart he felt what the builders of the guillotine did. That someone has to be exposed as a traitor, even if there is none. Grosse ambiance. Donc on s'arrête quand on croit, Louis Croivet-Bâton fuit le tribunal. Bon, on va s'arrêter là. Je vous lis ça. Bon, on s'arrête là. Allez, des bisous. À la prochaine. C'était Knarf Fonction comme d'habitude Gaming pour With the Revolution.